Alerte, alerte. Alerte, alerte. Cette vidéo, c'est pour toutes les mamans qui sont allées à l'hôpital. Le médecin a dit que la tête de l'enfant est comme ça, que bébé est comme ça. Bébé a la tête ici, bébé en position siège. Ou alors bébé en position transversale. Si vous écoutez depuis mes vidéos, depuis le début, vous savez que moi, Tata Larose, oui, je suis Tata Larose. Vous savez que j'ai toujours dit qu'il faut parler à son bébé et faire les gestes médicaux. Regardez mes anciennes vidéos, vous allez voir les gestes médicaux que je vous ai déjà demandé de faire quand votre bébé est en position siège ou en position transversale. Vous savez que pour accoucher, pour qu'une femme accouche par voix basse, il faut que le bébé soit en position céphalique. Maintenant, il y a deux sortes de positions céphaliques. Il y a position céphalique comme ça. Regardez bien. Quand je dis position céphalique, ça veut dire la tête en bas. Pour que toi qui me regardes là, tu accouches par voix basse. Il faut que ton enfant ait la tête en bas. Si ta tête, ton enfant n'a pas la tête en bas, en 2023, les médecins et les sages-femmes sont devenus un peu paresseux. Ils n'aiment plus faire accoucher les femmes qui n'ont pas le bébé avec la tête en bas par voix basse. Du coup, les médecins et les sages-femmes, comme ils sont un peu devenus paresseux, quand ils voient ton enfant est comme ça, ils te disent seulement que César, César. Quand ils voient ton enfant est comme ça, ils te disent seulement César, César. Mais il y a une manière de faire quand ton enfant est en position comme ça ou comme ça. Déjà, je vous ai dit que pour que vous accouchiez par voix basse, votre bébé doit être comme ça, en position tête en bas. Il y a deux manières d'avoir la tête en bas. Il y a tête en bas comme ça, comme je vous montre là. Et tête en bas comme ça. Vous comprenez? Il y a tête en bas comme ça. Et il y a tête en bas comme ça. Le tête en bas, si. It's not good. Le tête en bas, si. Ce n'est pas bon. Quand ton bébé a la tête en bas comme ça, tu risques encore la César même. Plus pire même. La César. Mais quand ton bébé a la tête en bas comme ça, it's good. It's good. C'est bien. Donc, si on t'a dit que ton bébé est comme ça ou comme ça, il faut parler à ton bébé comme je t'ai toujours dit de faire dans les vidéos. Mais il faut ajouter ceci. J'ai toujours dit, tu parles à ton bébé en te caressant le ventre, n'est-ce pas? Tu te caresses le ventre et tu parles à ton bébé avec amour. Maintenant, s'il est comme ça, tu dis à ton bébé, mon cœur, tourne-toi. Tourne-toi. Mets la tête ici. Tu te touffes le bas-ventre. Tu dis, mon cœur, tu mets la tête ici. Tu appuies ton bas-ventre comme ça légèrement. Tu dis, mets la tête ici. C'est ici que tu dois mettre la tête. Et quand tu lui dis de mettre la tête, tu lui dis que tu veux que son visage regarde ton dos. Donc, il doit être comme ça. Et son dos doit regarder le monde. Son dos doit regarder le monde. Il ne faut pas que son visage regarde le monde. Il faut que son dos regarde le monde. Donc tu lui dis, mon cœur, je veux que tu mettes ta tête comme ça. Et que ton dos, que tu mettes ta tête ici en bas. Et que ton dos regarde le monde. Non seulement ça. Il ne faut pas que le dos de ton enfant regarde le monde et il soit comme je viens de mon, comme ça. Tu risques une grosse déchirure. Il faut dire à ton bébé, je veux que ton dos regarde le monde, que ton visage regarde mon dos et que tu te mettes, tu te touches la position gauche. Ta partie gauche, c'est où? Là où tu es en train de me regarder là. La partie gauche de ton corps, c'est où? Moi, par exemple, voici ma partie gauche ici. Tu demandes à ton bébé que tu veux que il regarde le monde comme ça. Et qu'il décale légèrement comme ça. Donc, tu te touches ici. Tu dis à ton bébé, je veux que tu mettes ta tête ici. Je veux que tu mettes ta tête ici, mon cœur. Vas-y, mon cœur. Tu peux y arriver. Tourne-toi, mon cœur. Mets ta tête ici. Mets la tête ici. Et mets le dos ici. Ton dos doit être ici. Légèrement à gauche ici. Quand ton enfant est comme ça,
comme ça. Pardon, ne regardez pas ma poupée qui est raide là. Vous comprenez ce qu'elle veut dire. Quand ton enfant est comme ça, c'est facile pour toi d'accoucher sans déchirure. Mais si ton enfant est comme ça, la déchirure, tu vas lire. Tu liras le avec la déchirure. Si ton enfant est comme ça, c'est pas. Il faut que ton enfant, comme ça, par ici, du côté droit, ce n'est pas très bien. Il faut que ton enfant soit légèrement du côté gauche. Et que ton enfant a la tête en bas. Même toi qui es allé à l'hôpital, là, le médecin t'a dit que, madame, c'est bien, ton enfant est déjà en position céphalique. Ton enfant a déjà la tête en bas. C'est bien, madame. Il ne faut pas trop rire. Ne te réjouis pas trop. Ne te réjouis pas trop. Parce que avec la grossesse, il y a les surprises des dernières minutes. Il y a les surprises des dernières minutes. Tu peux être là. Tu as commencé les contractions. On regarde, on voit bien que la tête de l'enfant est ici. À la fin de ta contraction, imaginons que tu as commencé la contraction à 16h30. Ton enfant avait la tête en bas. À la fin de la contraction, à 20h ou 21h ou 22h, on te dit que l'enfant s'est tourné comme ça. Donc, tu vas parler comme je suis en train de te demander de parler là jusqu'au jour que tu vois tes enfants avec ton œil comme ça. Tant que tu ne vois pas ton enfant avec ton œil comme ça, tu ne fermes pas ta bouche. Oh. Même si tu as les contractions, que les douleurs font mal, tu fais... Je vous ai déjà montré comment on fait pour pleurer les contractions. Non? Je vous ai déjà dit, on ne fait pas comme ça. Ah! Ah! Parce que quand tu fais ah, tu bloques. Tu bloques la facilité d'accouchement. Quand tu fais comme ça, oh, 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 quand tu cries en faisant le oh, ça facilite l'accouchement. Donc quand tu fais le oh là, il faut faire comme ça. Oh, mon cœur, vas-y, mets-toi ici, mon cœur. Mets ta tête ici, mon cœur. Allez, place-toi bien, mon cœur. Positionne bien ta tête dans mon bassin, mon cœur. Oh, oh, ça fait mal, oh. Tu fais oh, oh, ça fait mal, oh. Gilbert, tu m'as tué. Gilbert, tu m'as enceinté. Gilbert, tu m'as enceinté violemment. Oh, bébé. Oh, bébé. Mets ta tête ici en bas. Mets ta tête ici en bas, bébé. Mets ton dos ici. Vas-y, mon cœur. Positionne bien ta tête. Positionne bien ta tête et appuie. Positionne bien ta tête et appuie. Mon cœur, vas-y. Maman est prête. Je suis prête à t'accueillir. Je suis prête à t'accueillir, bébé. Mon bébé d'amour. Mon cœur. Si ton enfant va peut-être s'appeler Michael. Tu dis, Michael, je suis prête à t'accueillir. Michael, je suis prête à te recevoir. Je te promets que je vais te couvrir d'amour. Je serai toujours là pour te protéger. Mets la tête ici. Gardez la tête ici, mon cœur. Aïe, oh, 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 oh. Gardez la tête ici, Michael. Gardez la tête ici. Garde le dos ici, Michael. Garde le dos ici. Oui, 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 oui. Gilbert, Gilbert, salaud. Gilbert, tu m'as enceinté, salaud. Oh, Michael, garde la tête ici. Garde la tête ici. Mets le dos ici. Tu as compris. Tu as compris. Il ne faut pas que les surprises des dernières minutes t'arrivent. Et quand tu vas parler à ton bébé, tu dis à ton bébé qu'il faut qu'il fasse attention de ne pas se prendre le cordon au cou. Parce qu'il y a les enfants comme ça. Comme il a en train d'avoir les contractions, il bouge un peu comme ça, il bouge un peu comme ça. Il se prend le cordon au cou. À la dernière minute, tu es déjà dilaté à 10 doigts. On te dit, césarienne d'urgence. Tu es arrivé à 10 doigts. Donc, tu as souffert la contraction de 10 doigts. Pour après ne pas accoucher par voix basse. Tu vas me dire que l'important, c'est que ton enfant sorte de là en vie. C'est vrai. Mais, sache que tu dois te donner toutes les chances d'accoucher par voix basse. OK? Si tu as un problème, contacte-moi sur mon WhatsApp. Mon WhatsApp, c'est sur ma page Facebook Tata La Rose TV qui a plus de 150 000 abonnés. Merci. Je vous aime.